Salut les amis, Captain Vintage, en espérant que tout se passe bien pour vous. Alors la vidéo d'aujourd'hui sera consacrée à la dernière avant-première que j'ai eu l'opportunité d'aller regarder du film Top Gun Maverick. Je tiens d'une part à remercier la Paramount Pictures Belgium pour leur invitation. D'autre part, je tiens également à remercier Kinépolis Belgium pour tout ce qui est organisationnel. Alors, je vous réserve une super surprise dans cette vidéo, une interview avec DJ Dadiké. Je tiens également à remercier la Belgian Air Force dans cette vidéo de m'avoir offert cette superbe réplique d'un F-35 totalement cartonné que je viens tout juste d'assembler à l'instant. J'en ai gardé un deuxième sous blister que j'offrirai à mes enfants. Alors j'espère que la vidéo vous plaira, n'oubliez pas de liker et de partager car Captain Vintage revient toujours avec de toutes nouvelles exclusivités. Yo les mecs! Ça, ça fait 4 positions. Et si on est dans la troisième position, on fait ça, on pousse devant la quatrième position, et là, c'est la afterburner, c'est tout. Ah ouais, tiens, est-ce que dans les voitures, il y a la vitesse? De 2400 km/h. D'accord. Et pour tirer? Ah, la question des garçons. La question des garçons et des garçons. On dit rouge, c'est bouton rouge. Bouton rouge. Ah ouais. D'abord, là, c'est l'écran de armement. Ça va? On va chercher ce qu'on va besoin. Ok. Ok, Sidewinder selected. Tout cela. Si c'est le canon de bord, ouais, qui normalement est là. Ah ben. Super. Ouais, hein. Ouais. Merci. Et de temps en temps, ils sont... Je pense qu'il y a plus de dedans, plus de place. Plus de 8 heures. Plus de 8 heures là-dedans. Ah oui, si on fait la Belgique, les États-Unis, par exemple. Ah oui, donc pour les enfants. Bonjour les amis, Captain Vintage, heureux de vous retrouver, en espérant que tout se passe bien pour vous. Alors aujourd'hui, DJ Dadiké et moi-même avons été invités à l'avant-première de Top Gun 2 Maverick. Premier ressenti? Ben écoute, déjà, je voudrais savoir le secret de Tom Cruise, il veut pas vieillir le gars. Comment il fait? Franchement, on dirait pas qu'il est tombé dans la fontaine de Jouvence. Je sais pas si c'est oilophonase ou un truc comme ça, mais le gars, il veut pas vieillir, c'est Pharrell Williams. Non, c'est mais, incroyable. Mis à part ça, je m'attendais à un film un peu à l'eau de rose comme celui de l'époque. Et au final, c'est un film d'action vraiment très, 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 très bien. Ouais, de ouf, hein. Les scènes d'avion et tout ça, on aurait pu croire que ce n'est pas des images de synthèse du tout. Tout à fait. Et on dirait vraiment que Tom Cruise pilote vraiment les avions. Alors, je ne sais pas s'il les pilote vraiment. Il y a une rumeur qui dit que c'est vrai qu'il les pilote, ouais, tu vois. Mais les scènes d'action sont extraordinaires. Vraiment, même si ça se passe... Il y a une tension, tu es dedans, quoi. On dirait que tu voles avec Tom Cruise. Hein, c'est pas fou. Ouais. Mais tu sais que j'avais vu un reportage là-dessus, apparemment, en tout cas, les hélicoptères, il pilote vraiment des hélicoptères, le mec. Ouais. Ah oh, ouais, des hélicoptères, il est pilote. Mais ben si voilà. T'avais une note à donner à ce film, perso. Écoute, personnellement, je m'attendais pas. Sans trop le défoncer. Non, pas du tout. Je m'attendais pas à un truc de fou et au final, je lui mettrais du 8 sur 10. Voilà. Ouais, ça a répondu à tes attentes. Franchement, mais j'avais pas d'attente en fait. Ah, ok. Tu vois, j'avais pas d'attente, au contraire, je m'attendais à un film un peu à l'eau de rose comme celui de l'époque, tu vois, comme ça. Le premier. Mm-hmm. Et au contraire, il y a un peu une histoire d'amour aussi, mais qui est plus en retrait. Et ici, ils mettent plus en avant la nouvelle génération. Et Tom Cruise est un petit peu considéré comme un papy. C'est vrai. Un petit peu comme moi. Comme nous, la génération. Comme moi. Tout droit, le papy des DJ, bah lui, c'est le papy des Marvel et des mangas. Des pilotes. Donc, non, mais c'est cool. Franchement, un film que je conseille vraiment si vous avez envie de passer un bon moment. Franchement. À un moment, il y a Docteur Strange qui arrive, c'est un truc de fou. Non, spoiler. Eh, par contre, on va retenir la phrase qu'il a dit. C'est pas le pilote qui fait l'avion. Ouais. Les gars, d'ici là. N'oubliez pas de vous abonner, suivez Dati. C'est pas une phrase de Bouba, ça, c'est pas le pilote qui fait l'avion. C'est vrai, non ouais, c'est... Non, c'est le quartier, c'est pas le quartier qui me quitte. C'est moi qui quitte le quartier. Ça, non. C'est une phrase de Rob, ça, et Roi Joseph. Oh là là, ouais, bon, c'est pas grave. En tout cas, allez voir le film Top Gun 2. Allez le regarder, Maverick, les gars. Ça vaut la peine. Il sort dans une semaine. N'oubliez pas de liker la page de Dadiké. Suivez-le sur les réseaux. Instagram. Ciao. Peace.